C'est passé loin d'ici, dans un village, dans un village couronné par un arbre immense. En effet, au milieu du village s'élève cet arbre-là, qui tire sa force de ses racines largement déployées sur le sol poussiéreux. Son tronc est fort et ferme comme, comme des milliers de bras qui s'entrelacent, et puis son feuillage est large et ouvert. À lui tout seul, cet arbre est un monde. Sous l'arbre, il fait frais. Et puis, les feuilles de l'arbre résonnent nuit et jour du chant des oiseaux. Et quand la saison change, le vent siffle autrement dans les feuilles, et ça fait un chuintement, et les feuilles se frottent les unes contre les autres, et ça fait un raclement. Cet arbre a des feuilles lisses d'un côté, et pelucheuses de l'autre, constellées de fruits comme la nuit est constellée d'étoiles, des fruits oranges, charnus mais ces fruits s'écrasent par terre et personne ne les mange. On raconte en effet, et c'est les vieux qui transmettent ce savoir là, on raconte que cet arbre est formé essentiellement de deux branches qui s'entrelacent, et que l'une porte un fruit délicieux, bon, agréable à manger et fortifiant pour le corps entier, mais que l'autre branche, elle, porte des fruits mortels, et que quiconque porte à ses lèvres un fruit de l'autre branche meurt dans l'instant, foudroyé. C'est ce qu'on raconte en tout cas. Et puis le temps passe dans ce village, et les fruits s'écrasent, et les mouches têtent les fruits écrasés par terre. Et puis, le temps passant, la famine s'installe, la mousson ne s'est pas faite. Les pluies ne viennent pas arroser la terre et la fertiliser. Et bientôt le soleil, le soleil écrase tout. Et c'est la famine. Un homme du village a des enfants. Huit garçons et une fille. Et quand il voit sa petite fille couchée, incapable de se lever, quand il voit qu'elle va mourir dans la nuit qui vient, il réunit tous les hommes du village et il dit Regardez-moi, ma fille va mourir. Moi, je vais monter à l'arbre. Je vais choisir un fruit. Je vais le manger. Si je meurs, si je meurs porter un fruit de l'autre branche à ma fille, qu'elle vive au moins. Et si je vis, eh bien, je serai heureux de voir ma fille revivre. Alors tous les anciens disent c'est bien. Ils entourent l'homme, l'homme monte dans l'arbre, choisit un fruit, le porte à sa bouche devant tout le village. Il le mange, il en est réjoui, et rien ne se passe. L'homme ne meurt pas. Alors aussitôt il court, il porte à sa fille le reste du fruit et la petite mange, elle s'assied, va mieux. Alors c'est une ruée, c'est une ruée parce que tout le monde sait enfin quelle est la bonne branche. Et c'est une ruée, où tous les gens du village viennent se servir et se servir et se servir des fruits délicieux et tout le village prospère et va mieux. Et le miracle, le miracle c'est que le lendemain matin, la branche qui a été ainsi pillée la nuit d'avant, porte de nouveau autant de fruits que le jour précédent. Et c'est ainsi. Et le village revit, et l'arbre, et l'arbre croit en majesté. Mais une nuit, des hommes se réunissent, ils disent ⁇ Notre savoir pourrait se perdre, quelqu'un pourrait oublier, à l'avenir, quelle est la bonne branche et quelle est la mauvaise. Alors ils disent ⁇ Allons, allons et coupons la branche qui porte du mauvais fruit, comme ça nous ne courrons plus aucun danger. ⁇ Et c'est pendant la nuit, le bruit de la scie, et c'est bientôt l'immense oof de la branche qui tombe par terre. Et ils vont se coucher, satisfaits. Et au matin, quand les villageois se sont réveillés, ils ont vu, au milieu du village, l'énorme branche couchée par terre. Et puis ils ont vu l'arbre debout, ou ce qu'il en restait. Il était mort, comme la branche qu'on lui avait coupée. Les feuilles pendaient. Les fruits étaient flétris, alors ils ont su, tous, que la vie ne va pas sans la mort, et que c'est ainsi.